Bien le bonjour, mon jeune chicon. J'ai rien à répondre. Jeune chicon. C'est une sorte de longue asperge en Belgique. Ah, mais j'ai... Une endive. Une sorte d'endive. Ça va? Très bien. Salut tout le monde. Eh? T'es sûr que tu vas m'énerver aujourd'hui? Il est trop tôt pour toi. Il est super tôt, on s'est levé tôt, on a beaucoup de boulot. Alors on attaque, ça y est, t'as tout reçu? On a reçu pas mal de pièces. Pas tout, mais presque. Pas tout, ouais. Pas tout pour Huguette, le retour. Yes. Donc qu'est-ce qu'on va lui faire dessus aujourd'hui, Virgile? Réservoir, changement de réservoir. On passe en 8 litres. Ouais. T'en avais marre, t'as pris de sympathie pour... J'allais pas assez à la pompe. Donc on divise par deux. On passe en 8 litres. On passe en 8. Guidon. Guidon. Guidon chaussette. Chaussette bituel comme ça, c'est voilà. Pas mal ça. Selle. Selle. Petite selle sympathique. Une Easy Rider. Easy Rider. Yeah. Yeah. Je travaille mon mon accent. Les chicanes pour le pont. Ah oui, les chicanes. Ah, mon chicon. Pour mon chicon, parce que elle fait trop de bruit. Enlève pas ça. J'enlève pas, je touche la matière. Putain, il m'a donné envie de fumer une clope tout de suite. Que d'autre? Allez, ben, ça. Quoi ça? Les amortisseurs. Ah oui. C'est du combien? Du 10, hein, c'est ça? 10,5 Burly. On va lui coller le cul par terre. C'est ça. Ok. On en profite pour lui faire une révision aussi. On va lui faire une petite vidange. Bah en fait c'est parce que je veux mettre du mécacile et changer les durites. Et on va changer. On a mis des durites aviation tressées. Black. Black. Black Mamba. Tout à fait. C'est comme ça qu'ils disent en plus, c'est Black Mamba. Je suis pas sûr mais ça peut se dire. Et Gain thermique, ah oui, bande thermique. Ouais, on enlève les pare-chaleurs Curiakin et on met des bandes thermiques titane. C'est ça, hein? C'est ça. Couleur gold. Goldy. Travaille ton. On change les sabres. On change les sabres, parce qu'ils sont chrome les siens. Et l'arrière va être tout noir sauf les clignotants. Ouais. Voilà. Et on va peut-être lui scier l'arrière, on sait pas encore. On attend de poser ça pour voir l'effet. Les calepiers. Des petits calepiers. Mignonnet. Mignonnet. C'est la marque Mignonnette. C'est la marque Mignonnette. Et ça qui va permettre de mettre les voyants LED. Parce qu'en fait, ils sont censés être collés sur le support, mais ça tient pas. Ça t'a fait chier. Hein. Ça me fait chier. Donc, une petite casquette de phare qui certainement sera redécoupée. On verra. Petit bouchon. Ouais, je sais pas si je vais le poser, mais pop-up. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on met un pop-up ou on garde la grande couronne? La grande couronne. Ah. C'est vrai que moi j'ai toujours eu peur. On peut changer de place. Et non de fumeur. Merci. Ah putain, je me fais mal avec des conneries. Rien à foutre. Voilà. Voilà, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on prépare tout ça. Ah. Ok. Bon. On va s'y mettre. Tout. Ah putain. Ah, oh, t'es bien relou là. We'll be right back.
points sur la vidéo. L'avancement. L'avancement. Donc on a retiré tous les clignotants pour faire passer les nouveaux sabres noirs. Là je vais m'occuper de changer les amortisseurs. Le réservoir a été remonté. Donc voilà, et Virgile il est sur son guidon. Le guidon c'est surtout faire propre au niveau des câbles. Ouais, parce que... Parce que ça va venir là sur la casquette. Ouais. Donc il faut refaire tout propre au niveau dessous de tout ce tas de merde quoi. Ok. Alors ? Elle va être posée par terre. Ah la vache. Là on monte les... Les Burly. On a enlevé les sabres. Ouais, on a décidé de pas mettre enfin, de cache sabre. Ça y a un côté un peu plus rock'n'roll. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Donc voilà, là on a fait ça. On a refait un petit câblage pour les clignotants. Là on est toujours sur le guidon à l'avant. Et moi je vais m'attaquer à échappement. Aux échappements. Et on va mettre les chicanes. Et voilà. Tu veux me faire un bisou? Regarde, on a les mêmes baskets. Sauf que les miennes, elles courent plus vite. Tu vois comment elles courent vite, les têtes? Ouais. Alors, on s'amuse? Hey! Ok, bon. C'est pas mal, hein? Ça change. Hier avec 8 litres là. Petit 8 litres. La selle. Et elle est couchée par terre. Pour le coup, elle est vraiment couchée par terre. Hier, éloigne-toi, mets-toi là-bas. Que je te montre son fion. Ouais. Très très bien. Ouais, c'est pas mal. Nickel. Nickel Miguel. Bon on va aller. Là on s'attaque aux échappements. Hein? On va s'attaquer aux échappements. Tu m'as mis un coup de téléphone. Ouais, on va bander les échappements. Et pour ça il nous faut des bandes. Des bandes. Voilà, et on va mettre les bandes. Les bandes titane. Attends, tu sais quoi, on va les ouvrir. Donc là, juste information, on vient de finir le guidon. Pour ceux qui se posent des questions, les câbles d'origine, on est short sur le guidon Bitwell en 8 pouces de haut. C'est faut rien de plus. Là. Voilà. Faut mettre des gants. Parce que là, je veux faire... C'est pas mal, hein. Ouais. Allez. Bon allez, on s'attaque. On s'y attelle. On s'y attelle. De suite. On s'y attelle de... Qu'est-ce qu'on fait là? On va te mettre les... Les chicanos. Les chicanos, mais à l'intérieur, vous voyez, donc pour que ce soit pour des vans ou tous les shorts, il y a toujours une petite vis à ce niveau-là. Là. Et du coup, à l'intérieur, vous avez une chicane d'origine. Dans la petite vis. La petite vis, elle est là, tu ouais, vois. Juste en dessous, okay. C'est une vis comme ça. Une hein. Vis, c'est une vis ouais, comme c'est ça. Classique, quoi. Ok. Celui-là, c'est sportif. Hein. Ah, okay. Tu veux que je tire? Vas-y, tiens. Je prends un chiffon parce que. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà, d'origine vous avez ça. C'est pas une chicane, c'est un anti. Un anti-retour. Ouais, retour de flamme. Faut pas que ça fasse des. Ça crée un tourbillon sur l'échappement. Ça, un effet Venturi. Tu voulais le placer. Je voulais le placer. Alors, quand
quand vous achetez vos chicanes, avec, vous voyez, il y a de la laine de verre, et elles sont entourées d'un film plastique. N'enlevez pas le film plastique, parce qu'elle va gonfler, ça va être compliqué à... Le film, il va se brûler lui-même, en fait. Ouais, le film, il va fondre. Et, Voilà. Et voilà. Et donc, c'est super facile. Hein. Bon, on le rentre. Moi, je le rentre en le faisant tourner. Et on va chercher l'alignement des deux trous. La merde, autant les Vans, c'est facile. Autant ceux-là, je les connais pas, c'est... Tu te souviens, les Vans, tu... Chou. Ouais, ouais, et on va mettre du beurre. Ah, salope. Ta moto, elle aime bien... Nous faire chier, gripper. Casser les couilles, mais prendre les couilles et les casser comme ça. La merde, c'est un truc de ouf. Bon, je vais couper, les gars, parce qu'il faut que je l'aide, je crois. Tu désinfectes ? Non, je vais placer tes bandes thermiques et... Comme je vois que tu mettais du Febreze, je me suis dit tu rafraîchis le rideau, quoi. Non, c'est de l'eau qu'il y a dedans. En fait, si tu préfères, quand vous placez des bandes thermiques, il est conseillé de les tremper dans une bassine d'eau, tu vois. Et justement, pour que l'application soit plus facile et pour que ça soit resserré avec l'eau. Mais ceux-là, comme elles sont en titane, il y a du titane, on n'est pas obligé de les tremper dans les... Faut juste les humidifier. Merci. Petit pansement. Petit pansement, je me suis... Tiens. Je me suis fait très mal. Arrive comme un assassin, un fou. Qui s'achève avec... Ah putain, je me crame. C'est chaud. Voilà les amis, on a... Presque tout fait sur Huguette. T'es content? Je suis content. Sympa, hein? C'est bien. Le guidon est sympa. J'aime beaucoup le réservoir. On voit encore plus le filtre à air. Ouais. Non, c'est sympa. On se demandait si on coupait le cul ou pas, mais finalement on a décidé de... Je vais le laisser comme ça. On le laisse comme ça. Je trouve que ça fait un côté bad boy. Longue et basse. Un côté un peu rock, sympa. Moi j'aime beaucoup et... Il manquera les durites. Et, ouais, et faire des durites. Passage de câble, c'est pas la plus petite chose à faire, mais... Passer les câbles dans le guidon, ouais, ça peut être sympa. Mais ça se fait. Et voilà. Voilà les pièces qu'on a achetées, parce qu'on nous demande souvent. Le guidon, c'est Bitwell. Bitwell. Le Chubb. On fait un petit tour. Bah, réservoir 48. Il est d'origine, c'est vrai. D'origine. Le bouchon, c'est Kuryakin. Le filtre à air, Kuryakin. Les échappements, Kuryakin. Échappements, Kuryakin. La selle, Easy Rider. Les clignotants, Rizoma. Le Burly, des 10,5, tu parles des avant-tisseurs, j'imagine. T'imagines bien. Ouais. Un stagin full pack, fuel pack. Fuel pack de Vans. De Vans. C'est pas mal, hein, déjà. Les cale-pieds. Les cale-pieds. RSD. RSD. C'est ça, RSD, poignée RSD, mais ouais. Peut-être qu'on va les changer aussi. On va les changer aussi, ouais.
Et je viens de voir un truc. Faut pas que j'oublie celui-là. Ouais. Donc voilà. Donc voilà les amis, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. On va continuer Huguette, on continue d'autres bécanes aussi à côté. On fait deux, trois petits trucs à faire. Et voilà, on vous fait un bisou. Bonne soirée tout le monde. Tu fais pas de bisous toi. C'est toi, je te laisse faire les bisous toi. Très bisous lui. Un peu pas moins. Te faire un bisou. Non, ça va aller. Cordialement. Amicalement vôtre. Bon allez, allez. On se casse. Ciao tout le monde. Ciao.